Je voudrais déjà remercier le Premier ministre Choguel Maïga pour sa visite de courtoisie, pour ce geste républicain que j'apprécie, et lui souhaiter évidemment une bonne réussite dans la conduite de cette seconde séquence de la transition. Nous avons parlé, j'ai indiqué au Premier ministre ce que j'ai toujours dit et répété, à savoir que je reste disponible pour aider mon pays dans la mesure du possible à se redresser. Je crois que rassembler les intelligences et les énergies autour de cet objectif-là, c'est la bonne façon d'agir aujourd'hui. Et c'est cette discussion que nous avons eue. Et j'ai été très heureux de constater que le Premier ministre partage la même vision. Tout seul, on peut aller plus vite, sans doute, mais ensemble, nous allons généralement beaucoup plus loin. Et je crois que la situation actuelle de notre pays, qui est complexe, fait que nous devons rassembler pour agir. Rassembler pour agir vite, pour agir avec efficacité aussi. Ce sont ces discussions que nous avons eues avec le Premier ministre, et je voudrais encore une fois lui réitérer mes félicitations et lui souhaiter une bonne réussite dans la conduite des missions à lui confier.